Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle heure d'info en direct. Au programme, plus d'une quarantaine d'entreprises, 4000 offres d'emploi en Nouvelle-Aquitaine, dont 2500 en Gironde. Les candidats auront l'embarras du choix ce jeudi lors du forum Job d'été, un rendez-vous organisé par Pôle emploi, le CRIGE et la mairie de Bordeaux. Alors comment trouver un job d'été? On en parle dans un instant sur ce plateau avec notre invité. Dans Soeco, on parle de la taxe GAFA. La France a décidé de taxer les géants du numérique comme Google, Amazon ou Facebook à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires. Il s'agit de lutter contre leur processus d'optimisation fiscale. On en débat tout à l'heure avec Nicolas César et ses invités. Le Made in France est à la mode dans le secteur de la confection, mais y a-t-il assez de place sur ce marché pour tous les nouveaux acteurs? Faut-il un concept fort pour sortir son épingle du jeu? Dans Mode d'emploi ce soir, on suit Opal. C'est une entreprise spécialisée dans l'habillement entièrement réalisé à partir de vêtements recyclés et de chutes de tissus. Et tout de suite, les titres de l'actualité. Un nouveau drame familial à Mérignac. Un petit garçon de 4 ans a été retrouvé mort dans une maison du quartier de Mérignac-Arlac hier en fin d'après-midi. La thèse d'un infanticide suivi d'une tentative de suicide est privilégiée. D'après les premiers éléments, l'enfant est décédé suite à une intoxication. Tous les derniers détails de l'enquête à retrouver dans un instant. Et puis nous irons à Bègle où les circuits courts sont à l'honneur. Un nouvel abattoir et sa boucherie viennent d'être mis en service. Objectif, offrir de la viande locale et de qualité aux Bordelais. Le Muséum d'Histoire Naturelle de Bordeaux rouvre ses portes ce week-end après 10 ans de fermeture toute la semaine sur TV7. On vous fait visiter les lieux en avant-première avant une émission spéciale à voir ce vendredi. Côté météo, pas un nuage à l'horizon, un grand soleil qui va dominer dans le ciel girondin ce mercredi. Température maximale comprise entre 15 degrés sur le littoral et jusqu'à 18 dans les terres. Ce drame à Mérignac hier soir, un enfant de 4 ans et demi a été retrouvé mort vers 18h dans une maison du quartier résidentiel d'Arlac, rue Paul Claudel. Il a été trouvé à côté de sa mère, inconsciente, qui elle a pu être réanimée. Il s'agirait a priori d'un infanticide, selon la procureure de la République de Bordeaux, qui n'exclut aucune piste. Elle s'exprimait sur cette affaire il y a quelques minutes. Je vous propose de l'écouter. Et aujourd'hui, il est difficile de dire quelles sont les circonstances de cette mort et de l'état dans lequel se trouve cette femme. En tout cas, a été effectuée ce jour l'autopsie de l'enfant et les conclusions sont les suivantes. La cause de la mort est toxique. La mort est due à une décompensation cardio-respiratoire. L'enfant n'a pas de traces de piqûres ou de traces de violence sur le corps. Voilà, c'est les seules conclusions objectives que je peux vous communiquer. Le jour de la mort est fixé au 25 mars. L'heure n'est pas encore déterminée. Vous savez que les analyses toxicologiques sont en cours, que les résultats qui nous permettront de connaître précisément l'heure de la mort de cet enfant. Et on espère que la maman sera dans un meilleur état de santé et pourra être entendue. Et pour le moment, elle n'a pas pu l'être, évidemment. Seul le papa, qui a découvert le corps de son enfant et le corps de sa compagne, a pu être entendu pour l'heure. Bien sûr, toute la famille va être entendue. A priori, c'était une famille sans histoire, qui n'était pas en tout cas connue de nos services. C'est un milieu favorisé, chacun travaillait, il n'y avait pas de difficultés. Donc je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est vrai que les investigations s'attacheront à savoir quel a été l'emploi du temps des uns et des autres, quelles sont les circonstances qui ont pu amener à la commission de cet acte. Et puis ensuite, bien sûr, on ouvrira une information judiciaire. Vraisemblablement, l'enfant a reçu des médicaments. Alors, quels médicaments, je ne sais pas, mais en tout cas, qui auraient provoqué la mort de cet enfant sans qu'il y ait de souffrance de sa part. On est certain qu'il s'agit du meurtre d'un enfant de moins de 15 ans. Après, savoir qui est à l'origine de ce meurtre, bah, évidemment, c'est l'enquête qui nous le dira.
Et le corps repêché vendredi dernier dans la Garonne serait probablement celui de Martin Pénica. Ce jeune homme étudiant en médecine à Bordeaux était porté disparu depuis le 19 janvier dernier. Des recherches avaient été effectuées dans le fleuve en vain. D'après les premiers éléments de l'enquête, l'autopsie confirmerait donc, selon la police, que le corps retrouvé à Bassens la semaine dernière serait celui de l'étudiant. Ce coup de filet au milieu des pibales, les enquêteurs ont procédé au démantèlement d'un trafic international de civelles qui partait du Médoc, transité par l'Espagne, le Portugal pour aboutir en Asie. Friande de cette jeune anguille, les contrebandiers utilisaient des méthodes dignes des trafiquants de stupéfiants. Au total, près de 150 000 euros et plusieurs centaines de kilos de civelles ont été saisies. Une dizaine de personnes ont été interpellées, notamment dans le Médoc. Le point sur le Grande America, ce cargo qui a fait naufrage il y a maintenant 2 semaines au large de La Rochelle. Et les experts excluent désormais tout arrivage de fuel sur les côtes dans les prochains jours. La trajectoire de la pollution se serait déplacée en direction des côtes espagnoles, enlongeant les côtes françaises. On ne se prépare donc plus à une marée noire en Gironde ou en Charente, mais plutôt à l'arrivée espacée de quelques boulettes de pétrole. Bordeaux n'avait plus d'abattoir depuis 2011, depuis la fermeture des emblématiques abattoirs des quais de Paludate. Et les abattages se partageaient donc entre Bergerac et Bazas. Aujourd'hui, un groupement d'éleveurs girondins vient d'ouvrir sa propre structure, un petit abattoir à Bègles qui répond à une logique de circuit court. Reportage avec Franck Poirot. Il aura fallu quasiment 10 ans pour que ce bâtiment voie le jour et entre en activité. Depuis la mi-février, le groupement des éleveurs girondins vient de mettre en service son abattoir de Bègles, un abattoir dit de proximité de 1700 m². Ce groupement rassemble 150 éleveurs girondins. Depuis la fin des années 90, il cherche à maîtriser et avoir la main sur toutes les étapes de la production de viande, de bovins et d'ovins, de l'élevage jusqu'à la vente en boucherie. Cette coopérative d'éleveurs exploitait jusque-là 4 boucheries en Gironde, mais les bêtes étaient abattues à Bergerac. Oui, enfin, l'idée, c'était effectivement d'être sur la métropole de bordelaise. Comme je dis, pour nous, c'est plus un outil de développement qu'un abattoir. Bon, ça y participe. Et c'était vraiment d'être sur une région de consommation, la métropole bordelaise, pour pouvoir faire notre propre développement sans aller loin, d'être vraiment au cœur d'une région de consommation. Pour le moment, l'abattoir et son bâtiment sont en période dite de rodage. 450 tonnes de bestiaux seront abattues ici cette année. Le seuil d'équilibre financier de cet outil se situe autour de 700 tonnes par an. Un chiffre 10 fois inférieur aux abattoirs publics comme celui de Bergerac par exemple. En plus de l'abattoir, ce bâtiment béglé possède sa salle de découpage et sa propre boucherie. Cette coopérative d'éleveurs s'inscrit depuis une 20aine d'années dans la logique du circuit court. L'objectif étant de permettre à ces éleveurs de conserver la plus grande partie de la vente de la viande issue de leur élevage. Cet outil, c'est l'aboutissement d'un circuit que l'on ne maîtrisait pas complètement. Le terme circuit court, il n'existait pas vraiment. On disait c'est notre viande, c'est notre production. Et aujourd'hui, ça fait plus de 20 ans que la signature des éleveurs girondins existe. Cette logique de circuit court a permis aux éleveurs girondins de créer près de 70 emplois dans ces différents établissements. Il y en avait seulement 6 au début des années 2000. Coût de ce bâtiment béglé, près de 5 millions d'euros, dont 70% autofinancés par cette coopérative d'éleveurs. Dans l'actualité, en Gironde, un arrêté contre les rodéos nocturnes à l'Aréole. Le maire vient en effet de prendre 2 arrêtés municipaux, un pour interdire les attroupements et une deuxième mesure qui concerne les comportements compromettant délibérément la sécurité ou la tranquillité des usagers de la route. Plusieurs plaintes avaient en effet été adressées dans le centre-ville. Opération nettoyage au bassin à flot pour la deuxième année consécutive. Une 30aine d'étudiants de l'école ESARC Évolution se mobilisent pour faire le ménage sur les bassins à flot à Bordeaux. Demain, de 13h à 18h, en pirogue, en canoë ou en kayak, des volontaires partiront sur les 2 bassins collecter les déchets flottants. Et puis le nettoyage des déchets, c'est aussi nécessaire sur les plages. Demain, dans votre émission Découverte sur TV7, vous verrez que l'association Surfrider se mobilise notamment avec l'aide de très jeunes écoliers pour nettoyer les plages landaises. L'économie, la France a décidé de taxer les géants du numérique comme Google, Amazon, Facebook à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires dans l'Hexagone. Il s'agit de lutter contre leur processus d'optimisation fiscale. Mais est-ce que cela peut concrètement fonctionner? N'est-ce pas risqué en l'absence d'accord au niveau européen? C'est les questions que Nicolas César pose ce soir à ses invités dans Soeco. On regarde un extrait.
c'est une question éminemment politique, c'est même une question de souveraineté, puisqu'en fait, une entreprise qui va avoir une activité économique sur notre territoire en utilisant la relation qu'elle peut avoir avec des Français qui sont utilisateurs de ses services, doit créer forcément de la valeur sur notre territoire et doit participer au même titre que n'importe quelle entreprise à financer les investissements que l'État fait sur ce territoire. Et d'ailleurs, ça n'est pas sans poser un problème sur justement les investissements auxquels procède l'État actuellement sur les réseaux de fibres très haut débit, etc. Parce que si effectivement ces opérateurs qui ne participent pas au financement, puisqu'ils ne les financent pas par l'impôt, commencent à alimenter de façon massive tous ces réseaux avec des données, ce sont des données qui n'iront pas ailleurs sur l'e-santé ou sur d'autres services que nous voudrons développer pour nous, les habitants de ce territoire. Donc c'est vraiment un problème de souveraineté. Voilà, ce débat à voir dans Sceaux Éco ce soir sur TV7. Et le Made in France est à la mode dans le secteur de la confection. Mais y a-t-il assez de place sur ce marché pour tous les nouveaux acteurs? Faut-il un concept fort pour sortir son épingle du jeu? Mode d'emploi vous emmène ce soir rencontrer Opal, une entreprise spécialisée dans l'habillement entièrement réalisé à partir de vêtements recyclés et de chutes de tissus. Regardez. Donc Opal, c'est une marque de vêtements recyclés. L'idée, c'est que plutôt de consommer des matières vierges, on va utiliser des matières déjà existantes. Comme ça, l'impact environnemental, il est bien plus faible. L'idée avec Opal, donc on l'a créé ça il y a 2 ans, c'était de créer une marque avec un impact qui soit indiscutable. Donc pour ça, on s'est concentré sur les matières recyclées et sur un approvisionnement local. Là, aujourd'hui, sur les collections qu'on développe, tout est fait en France. Donc il y a des fils qu'on va chercher en Espagne, en Italie, au plus loin. Après, c'est tissé en France, c'est confectionné en France, découpé, assemblé. Et on s'est vendu en France, puisqu'aujourd'hui, notre marché, il se concentre vraiment sur la France. Une démarche qui correspond clairement à une tendance de réflexion de fond par rapport à la fast fashion parmi les industries les plus polluantes au monde. Je m'habillais en friperie parce que pour les petits prix, parfois. Après, c'est une prise de conscience dans le sens où il y a aussi une approche un peu minimaliste. Ça veut dire essayer d'avoir une garde-robe où on va avoir moins de vêtements. On sait qu'en France, on utilise à peu près 70% de notre garde-robe n'est pas utilisée. Donc on utilise 30% des vêtements qu'on possède. C'est un peu problématique. Moi, j'ai commencé par réduire les vêtements que j'avais dans ma garde-robe. Et ensuite, petit à petit, je me suis intéressé au concept. Et aujourd'hui, je suis vraiment dedans et je suis au courant des derniers acteurs qui sont sur le marché du textile. Mode d'emploi à voir ce soir sur TV7. Et puis après 10 ans de fermeture, le Muséum d'Histoire Naturelle va enfin rouvrir ses portes au public. Inauguration du nouveau muséum ce dimanche. 3500 pièces y sont désormais exposées. Et vous en découvrez une par soir toute cette semaine sur TV7. Aujourd'hui, gros plan sur une espèce disparue. Alors, il ne lui ressemble pas du tout, mais c'est un parent des kangourous. C'est un marsupial qu'on appelle loup de Tasmanie ou tigre de Tasmanie. Il s'agit d'un thylacine. Il est particulièrement remarquable car c'est une espèce qui est complètement disparue depuis les années 1930. Et en fait, il n'en reste aujourd'hui que quelques spécimens naturalisés dans quelques musées du monde. Donc j'allais dire, si on doit établir le plan de sauvegarde des collections, qui est une de nos obligations en cas de risque majeur, eh bien s'il y a un spécimen à sortir en priorité des vitrines, ce sera celui-ci. Ça, typiquement, ce sont des collections anciennes du musée qui sont entrées dans les collections, évidemment, avant que l'espèce ne soit menacée, puis définitivement éteinte. Dans cette même vitrine, on a d'autres spécimens dont les espèces sont en grand danger d'extinction aujourd'hui. C'est la thématique que nous développons ici. Émission spéciale, visite du nouveau Muséum d'Histoire Naturelle qui rouvre donc ses portes au public. Ce sera ce vendredi sur TV7 avec Benjamin Bardel. Un mot de rugby, Alexandre Rouma était l'invité de Top Rugby hier soir sur TV7. Malgré la lourde défaite de l'UBB au Racing 92, les rugbymen sont toujours en lice pour les phases finales. Ils ont maintenant 15 jours de trêve avant de recevoir Perpignan. Et pour le jeune troisième ligne, à 6 matchs de la fin, il est encore trop tôt pour parler de qualification. Écoutez. Au niveau du top 6, j'ai envie de dire, on verra la dernière journée une fois que tous les matchs seront joués. Parce que dire qu'il y a l'année dernière, à cette période, on disait que Castres n'y allait pas y être. Et au final, c'est eux qui se retrouvent champion de France. Donc dire qu'on a le niveau d'y être, on peut, pour moi, on ne peut pas le dire maintenant. En tout cas, on ambitionne d'y aller.
Et ce qui est sûr, c'est qu'il faudra faire de grosses performances pour s'y retrouver en fin de saison, parce que si on continue à prendre, à avoir des grosses déconvenues comme ça à l'extérieur, on ne pourra pas y être. Voilà, restez avec nous sur TV7, on se retrouve dans un instant. On va parler de ce forum spécial job d'été organisé par Pôle emploi, la mairie de Bordeaux et le CRIJ Nouvelle-Aquitaine.